Et salut tout le monde, c'est MV44, on se retrouve aujourd'hui sur... Newer Super Mario Bros. Pour une toute nouvelle vidéo. On est rendu au monde 4, le monde de la neige, un monde qui... rame, je crois. Enfin, un monde qui rame, c'est le... Ouais, c'est la map, pas de panique. Alors, on n'a pas eu le droit à la petite animation avec Bowser et tout, parce que... Ah oui, normalement, on le voit pas... Non, on le voit pas sur la tour, hein, j'ai de la merde. Bon, un monde qui a l'air assez particulier, qui se mélange en fait entre de la lave et de la glace. Et dans mes souvenirs d'ailleurs, sur New World Super Bros. Wii, il y avait un boss sympathique comme ça, tu te souviens, c'était un monde un peu comme ça, et le boss c'était une fleur de feu. Et c'était un monstre de feu et un monstre de glace qu'il fallait tuer à l'aide d'un Yoshi. Oui, vous avez pas vu comment on va regarder sa chaîne, donc, oui, évidemment, ça vient de Super Mario 3D Land. Ah, c'est une bague, hein. Ça vient de Super Mario 64, là pour une fois, là par contre pour une fois j'en suis vraiment sûr. Oui, ils sont des... Ouais, c'est stylé. T'as vu comment je gère totalement? Ah bon, là c'est sûr il y a une petite étoile en bas. Si t'as... Sacha, ça ferait à dire... Oh, des blocs de 3D Land. Ah non, en fait, je dis de la merde, en plus, j'étais dans Bros DS, ça. Oui, j'étais dans Bros DS. Triste. En fait, pourquoi fait le lever, lui? J'aurais dû le laisser comme ça. Tu comprends maintenant à quoi il servait? Non. Je comprends pas. Ouais, il est dans l'autre sens, non. Oh. Ah oui, bah oui, parce qu'il fallait... Ah ouais, en fait, j'aurais dû attendre après qu'il se... Ah ouais, d'accord... Non. Oh, flocon de neige. Un flonflon. Tu sais, ça vient de quoi les flonflons? Oh, de Super Mario 3D World. De Super Mario Odyssey, pardon. Wow. Ah oui, c'est les... Oui, c'est les mecs du village. On ne spoilera pas plus. Oh. C'est avec la musique. Ah, non. On spoil. Tu pars que c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah, dis donc. Eh, aujourd'hui, je suis plutôt en forme. Non, reste. Tu sais qu'il y a quelqu'un, je suis désolé, j'ai oublié le pseudo. En plus, c'est con parce que je voulais le retenir parce que pour une fois que quelqu'un disait que tu jouais mal. Sérieux? Ouais, il y a quelqu'un, ça fait 2 ou 3 vidéos, il dit ouais, le skin de Sacha, il est en baisse, je te retrouverai après. Sérieux? Alors que le mien, il est. Comment dire ça? Bon, déjà, en voyant ça, on va rien dire. Comment dire ça alors que dans la dernière vidéo, j'ai utilisé tout mon talent pour trouver une sortie? Karma, il a dit que ton skill diminuait. Ah ouais, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque genre Sacha, il est nul, tu vois, c'est une attaque, tu vois, c'est. C'est un constat en fait. Bah après il a pas dit que j'étais fort, hein. Il a dit que toi t'étais nul. Non mais enfin il après, a dit que tu étais nul ou il a dit je trouve que ton ski diminue depuis quelques temps. Je sais plus au niveau. Plus ça m'a fait ça fait plus mal. Je en tout cas ça m'a fait marrer. Je me suis dit pour une fois que quelqu'un partage mon avis. Pour une fois que quelqu'un reconnaît le non talent de Sacha. De l'ami Sacha. Alors que nous ne sommes pas amis. Parce qu'à force de dire des coups. Oh mais non! Oh sérieux, il a un champi. Ouais, je crois qu'il avait donné un... Attends, comment je suis tombé? Bah oui! Je ne sais pas jouer à des jeux de plateforme. Non, et c'est pas à cause d'un bonhomme de neige, ne mens pas. Ne mens pas, s'il te plaît. D'ailleurs, tu sais quel jeu j'ai fini là récemment? Je n'ai pas fini en tout cas New World Super Bros. DS. A voir, le seum. Je te jure, je suis pas bien. Je n'y ai pas pensé. Attention, ouais, c'est bon, tu as. Ok, on va au Nepo Super Hero. Dans New Super Bros. DS original, le monde 5, c'est le monde de quoi? Je sais pas, le monde de la neige. Il ne sait pas, moi je sais. Hein. Bah non, si c'est la même map, c'est le monde de la neige. Non, c'est pas le même monde. Si c'est la même map. Ah, tu fais le niveau du bas? Ouais, tu vois que c'est pas. Pour l'instant, je n'ai pas. Ah si, j'ai fait un niveau aquatique quand même. Un mini niveau aquatique. Du moins, c'était un passage en niveau qui était aquatique. C'était la tour du dernier monde. Du monde 4. Il y avait un passage plus ou moins. Let's go. Aquatique. Let's go. C'est le 5. Alors attention, si Sacha le passe du premier coup, je suis. J'avoue qu'il sera meilleur que moi et j'avoue.
c'est un niveau athlétique. Enfin déjà c'est un niveau scrolling, donc je n'arriverai pas à le finir du premier coup parce que... Pas dans le sens où je vais mourir, mais dans le sens où je vais louper des trucs. T'es dit tout. Bah normalement si tu es malin, malinx. Non bah alors là, non, là je suis désolé mais non. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ouais, fallait y aller, il y avait un tuyau, je sais pas. Ah, ou un Koopa. Bon, Sacha n'est pas meilleur que moi. Non, j'ai fait exprès de mourir pour retourner chercher le pied. Ah bon, d'accord. Bill Ball. Bah ouais, mais... La vache. Ah. C'est dur. Bon, bah là, t'as un timing de merde, par contre. Mais non. Oh, il meurt, c'est pas souci. Oh, oh là là, mais je suis où? Je suis où? Il va être tué par le coupable. Ah non, je oh, oh, je me suis complètement perdu. Chou! Oui, il s'est confondu avec un Bill Ball, vous avez vu comme il est con. C'est un miraculé! Là-bas! Putain, mais c'est quoi ce jeu? Ouais, moi j'aime bien, il est trop stylé. Il est dur! Enfin, il est dur pour toi, parce que moi, franchement, je le dis, je l'aurais passé ultra facilement. Mais ils ont fermé les yeux. Attention, il va y avoir un boule qui va arriver derrière. Ah oui, ah bah. What the fuck, elle était beaucoup plus simple celle-là. Le scrolling après, oui. Bon. On ne saura jamais ce qu'il y avait dans ce bloc. Ah si, dans quelques minutes, quand je vais refaire. Oh. Ah, c'est bizarre parce que la deuxième partie, elle était plus simple du coup. Ça se discute. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, 8-8, je crois pas que c'est... Non, mais je voulais avoir une maison. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous a dit la liste des maisons, je l'ai vu, le truc, et... mais j'ai oublié après. Faudra regarder. En tout cas, merci à vos pour vos commentaires, des fois, qui sont très intéressants. Ah, par contre, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Ça va être hyper long. Maison vie. Si, c'est bien pour le... Boss. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que le boss de ce monde-là va sûrement nous plaire. Sacha, quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Je me contrebats les crocodiles. Qu'est-ce que je me suis pris? Un goût. Mais il est au tuyau! Mais qu'est-ce que tu faisais? Mais il y a déjà une maison. C'est cool, en plus la maison du Big Champy, ça aurait pu être utile. Du oui, mais Champy. Elle va pas se remplacer. Hein. Ah bon? Parce que 9-9 en plus, je crois que c'est des vies. Non, bah, je sais pas. Allez, c'est à moi. Je t'emmène là-bas. Ah putain, comment ça... Tu dois faire le niveau 2 fois. Comment ça va? Je te demander pourquoi tu dois faire. Ah, y a une... t'es sûr qu'il y a une sortie secrète dans ce niveau-là? Oui, ou à moins qu'elle était dans le mien. Mais elle est dans le tien. Non, elle est dans le tien. Bah oui, non, parce que toi c'est un niveau secret. Non, parce que dans Bros. TS, je me souviens, ouais. Ah, on a tous vu où elle était. Alors, déjà j'avais vu, mais... Ah non, déjà t'avais pas vu. Non, parce que tu m'as juste dit... Sans préciser où elle était, justement. Musique. Attends, j'écoute. Alors, je ne connais pas cette musique. Je vais directement... Hop, petit glacé. Poké gelé. Ok, glacé, poké gelé. C'est le vide là en dessous, c'est quoi? Faut savoir. Oh non, me dis pas que. Ah non, d'accord. Okay. D'accord, ok, yeah, oui. Attends, explique-moi ce qui s'est passé là. Si, enfin, je sais ce qui s'est passé, mais c'est vraiment une malchance. T'as compris ou pas ce qui s'est passé? Je crois avoir compris. En clair, il est descendu pile au moment où j'ai tapé dans le bloc. Est-ce
puisque ça serait du skill. Surtout que je pouvais pas me gift d'objets. Trêve. Wow, 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 wow. Oh non. Attends, non, non, je peux remonter. Ouais. Que justement, elle est là, la sortie. Je sais pas, mais il y a un truc là-dedans, ça c'est sûr. Ah, ouais, sortie secrète. Ça c'est bizarre parce que je crois que dans les vrais New Super Bros, c'est rare qu'il y ait une. Attends, parce que là j'étais persuadé que t'étais en train de faire le chemin normal. Je faisais le chemin normal. Si je m'étais laissé tomber dans le trou, c'était la suite du chemin normal. Ah ouais, ok. Ouais, enfin, il me semble. Hein. T'es pas très bien caché du coup, la sortie secrète. Ouais, j'avoue. Mais dans les New Super Bros, je crois pas que c'est rare. Est-ce que déjà c'est rare ou est-ce que c'est carrément inexistant les sorties secrètes qui mélangent sorties secrètes et pièces étoiles? Parce que dans Bros. Ouais, 8 par exemple, je crois pas qu'il y en ait, hein. Non, je dis peut-être au cœur, mais ça me dit rien comme ça. Hein. C'est bizarre parce que je pouvais pas me donner d'objets dans. Parce que là au début je peux, mais après dans la partie là-bas je ne peux pas. Crève! C'est cru à Disneyland, lui? Il faut jeter le cosplay de Nago? La gueule! Non, parce que là. Ouais, aujourd'hui. Ouais! Ouais, aujourd'hui j'ai du skill. Aujourd'hui j'ai du skill et je m'appelle Lucas. 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 Aujourd'hui j'ai. À droite! À gauche. Je m'appelle Lucas. Oh non. Ah c'est ça, tout le niveau ça va être comme ça. Merde, j'aurais pas dû la perdre dans ce cas. Hein. Ah non, ok. Il y a de la vela. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Wow! Allez, crevez tous. Bon, ce niveau, il est un peu. Monique. Non, ouais, mais. Ah, ok, d'accord. Alors, par contre, ça va être un tout petit peu chaud. Parce que tu mets de la glace et Luigi en même temps. Ça fait super. Ah non, je déteste les sauts comme ça! En plus, j'avais fait le plus yes dur. Yes! Un saut comme ça! Trop bien! Non, il faut que tu prennes ton erreur et que tu sautes au dernier moment. Que ça, il a fait une c'est pas l'image, fond, c'est pas l'image du niveau, c'est l'image du monde déjà. Voilà. Pas mourir. C'est la fin. Qui te dit que c'est la fin? Attends, y a peut-être un truc derrière la lame. Non, y a rien du tout. Parce que je suis fou. Donc tu feras une save en tout cas, c'est la. Bon, je récupère juste la vie. Ouais. Ah, ce genre de moment. Bon, de toute façon, ça sert à rien que j'essaie d'avoir une maison. Non, mais. Et puis, qu'est-ce que tu racontes? Le bonhomme de neige, il est dans le monde. Dans le monde 4 de Brassio? De la fin de Luigi U? Non, il est dans le dernier niveau de Luigi U. Non! Dans le dernier niveau de Luigi U, c'est pas ça qu'il y a. Oui, je sais ce qu'il y a aussi, mais il y a aussi un bonhomme de neige. Non, ah, non, 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 t'as raison, en fait, il est aussi dans le monde de la neige, le bonhomme. Bah oui. On va niquer le boss. Boss, 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 boss. C'est la Mega House. La Mega House. Tu vois, là, je veux bien, sur Bros DS ou Bros 2, je veux bien comprendre qu'il y ait des maisons qui te donnent un petit item comme ça, genre un géant champi. Comme ça, tu l'as dans ta réserve et tout. Par contre, dans Bros 2, dans Bros Wii, ou Bros You, les maisons qui te donnaient des étoiles d'invincibilité, on est d'accord que ça servait absolument à rien. Parce qu'avoir une étoile d'invincibilité quand tu commences le niveau, à part attraper Carotin, c'est. Ouais. Tu peux récupérer. A noter, d'ailleurs, dans tous les jeux Mario, tous les Toads, ils ont Toad dans leur nom. Il y a Toad, il y a Toadette, il y a Toad Monsieur, sauf lui. Lui, c'est. Tu sais comment il s'appelle? Papy Champi. Voilà, il n'y a pas Toad dans son nom. Non, je vais te trouver un contre-exemple. Il va se prendre des boules de feu, il va crâner. Mamité. Bon, même si ça vient de Mamitone. C'est pas un Toad. Si, Mamité. C'est dans Paper Mario, la porte millénaire. C'est dans. Enfin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais, elle s'appelle. Elle a un nom un peu comme ça. Mais oui, je suis sûr que dans les. Non, non, mais c'est. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est sûr, tu prends les Paper Mario, t'as forcément des niveaux. Enfin, des Toad qui ne portent pas le nom de Toad. Récupère pas ça. Oh, t'as failli. C'était un réflexe ou c'était. Oh.
Je sais que ça va être un niveau. Oh, j'ai compris ce qu'il faut faire. Mais oui, mais moi aussi j'ai compris. Je sens que ça va être un niveau plutôt délicat pour la team Sacha. Oh, allez! Mais non! Mais c'est incroyable! Elle va récupérer la fleur de feu. Elle va avoir des spawns. Non! Elle est précisément ici parce qu'elle n'était pas là-bas. Chier, bordel. Fais gâche. Vas-y, monte. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'en ai besoin! Mais oui, mais non, mais je sais, mais. T'as sauté, t'es revenu, t'as re-sauté, t'es revenu. Ouh! Et bim! Et bim, boum, boum! Ça fait une intro de nos vidéos. Quoi? Non, et bim, boum, boum, en plein dans le surveiller. Non, t'as dit, et c'est bon! C'est juste que comme j'ai pas du tout articulé. Non, mais y'a plus de moi. Ah là 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 là, t'es là un feu d'artifice du 14 juillet raté. Sacha a raté son coup. Oh là 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 là, t'es là un feu d'artifice du 14 juillet. Mais c'est dur! T'es là un feu d'artifice du 14 juillet raté. Non mais parce que tu le fais exprès ou quoi? Faut pas que je bouge. Mais non! Il faut que tu tapes légèrement quand il a passé. Pour que l'angle d'insertion. Non, là, là c'était sûr. Mais il est diantre. Non, mais non, oh là là! Mais wesh! Là, c'était complètement raté. Laisse-le bien passer. Non! Passer! Ça se voit! J'ai la détente facile. Voilà. Ah, mais par contre, faut que tu sois plus rapide. Hein. Non, là. Mais, non, mais. L'ordre un peu... Mais putain, mais quelle malchance! Wouh! Tout le monde a compris ce qu'il fallait faire sauf Lucas. Attends, maintenant. Je suis sérieux, un truc là-bas. Non, y'a rien, y'a rien. Oh! Ah! Oh le seum! Ah non! T'as vu une pièce étoile toi aussi? Quoi? T'as vu une pièce étoile toi aussi ou pas? Pourquoi? Non, mais j'ai cru qu'elle était là-bas, moi, et du coup t'as vu. Ouais, 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 bah oui. Mais non, en fait, c'est le passage. J'ai cru que j'avais vu une pièce étoile. C'est le passage principal. À l'entrée principale! À l'entrée principale! Non, mais ça, personne peut comprendre. Même moi, je comprends pas. Allez! Ah! Oh putain! C'est pas vrai, ouais! Tu l'as mis une fois encore. Ok, bon, en fait. Non, mais wesh. En fait, c'est pas de la bonne chance, c'est juste. T'es nul. Attends, mais wesh. C'est pas possible. Ah bah, enfin. Là, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire sur Calu. Pourquoi t'as pas fait ça dès le début? Y'a rien. Tu serais mort là. Si j'étais mort, j'aurais pleuré. Il aurait pleuré. Comme demain. Oh là 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 là. Oui. Ah! Ah! Marsupilami! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de pièce étoile. Tape là, je bougerai parce que je sais parfaitement ce qui va se passer. Les moments où ils vont péter une plateforme qui sera fatiguée, ça se trouve, c'est déjà trop tard. Ça sera pour un tuyau, il y aura genre un tuyau, tu vois, et tu pourras plus rentrer. Arrête, par pas de malheur. Oh. Ah bah non. Ah non, mais c'est ça la sortie secrète. Y a pas de sortie secrète! Oh, tu l'as tellement bien mis. Bravo, bravo, j'applaudis. Allez, c'est bon. Arrête ta gueule. Oh. Go chercher la troisième pièce étoile. Le mécanisme que Sacha ne comprend toujours pas. Après 10 ans de gameplay sur un New Super Mario Bros. S. Tu sais que New Super Mario Bros. S a quand même plus de 10 ans. Ça fait bizarre. Hein. Bah, Bronchou, il a 8 ans, je crois. Parce que je me revois encore à jouer à Toys R Us dans le magasin avec des couillons. C'était il y a 10 ans. Ouais, la démo, ouais. Voilà, on pouvait faire que le premier. Et je me souviens, on avait même trouvé la sortie secrète. Non, je dis de la merde, ça c'était plus tard après. C'était d'ailleurs, je crois, c'était carrément sur. Non! Non, il était bon! En fait, j'aime pas être patient. J'aime bien quand je fais vite. Et là, c'est pas le cas dans ce moment-là. Oh! Allez, bim, la troisième. Non, tu
c'est parfait. Maintenant, il faut que tu fasses un putain de speedrun. Oh putain, il y a Windows Defender qui dit qu'on est en train de se faire hacker, donc dépêche-toi parce que... Alors... Je suis le mouvement. Mais non, mais non, mais c'est sûr qu'il y a rien par là. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça aurait pu être un tuyau caché. C'est le rouge. Alors, tu rentres. T'as testé, ok. J'ai pas testé. T'as pas testé? Non. Lucas, s'il était là, on pleure tout ça. Ok, tu pleures avec moi. Non, j'ai compris, c'est où? T'as compris? Là, les blocs sont fissurés, ok, tu vois, t'as qu'une chance, y'en a qu'un. Ça va. Est-ce qu'il donne un réveil devant le boss? D'accord, je ne sais pas pourquoi il y avait une musique épique comme ça. C'est dommage, on n'a pas vraiment le temps d'écouter. Par contre, le background était stylé avec la lune comme ça. Ouais. C'était sûrement une référence à Super Mario Odyssey, oui, je pense, oui. Bah, non. Allez, oh d'accord, il peut se faire. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Yeah, je vais battre Mario pour une fois. Trop compte s'il est vraiment vêtu d'une conscience intime. Drapeau blanc. Il s'est rendu. Il s'est rendu et nous l'avons exécuté. Oh, c'est la première fois qu'il y aura un combat. Attends, vas-y, passe. Ah ouais, Sacha, arrête de ôter. Je t'ai déjà expliqué dans la vidéo qu'il fallait pas ôter. On a fait 4, 1, 2, 3, ouais, faut qu'on en fasse un, et on aura fini cette vidéo. On va faire un dernier level. Ouais, y'a un combat en plus, là. Moi, je l'ai dit, mec, je suis à base. Oui, c'est pas comme dans Bros. Wii, hein. Si tu vas au même endroit qu'un ennemi, y'a pas de combat. Ah bon? C'est juste, en fait, y'aura un frère... Non, ah... il était dans un niveau? Oui, en fait, il est dans un niveau. Non, c'était un truc combat, là. Non. Hein, là, si tu le tues, il va te donner un truc. Je pense, ah, ça c'est la musique. Attends. Alors elle est pas mal. Elle fait un peu bizarre. Ça fait vraiment Paper Mario. Ouais. Genre Paper Mario Sticker, ouais, Star. Oh putain, c'est fou. Non, pas Sticker Star. Sticker Star, ça fait plus jazz un peu. Oh putain. T'avais envie que je me foire, ouais. Non, ça fait. Je sais pas si c'est un remix, un thème original, je sais pas. Tu pouvais taper encore. Non, mais je sais, je suis fou. Ouais, je te marre. Mais ouais, c'est un truc. C'est pas mal. Oui, c'est le truc sur le game culture, comme j'ai jamais changé dans les propriétés, j'avais qu'on fait une vidéo. Le nom. Enfin, comment dire. Ah, le nom de la vidéo, c'est mon jeu génial, ma capture géniale. What the fuck. Tous ceux qui ont un game capture HD là de chez. Je sais plus, de chez. Elgato. Pardon, ça. Je sens qu'il y en avait une en haut. Putain, j'aurais dû vérifier. J'aurais dû me porter, les gars. Oh, mais oui, attends, les pièces Yoshi, j'espère que j'en ai pas loupé. Ce serait vraiment dommage de louper. Bah, les pièces Yoshi, tout simplement, qui sont un petit peu les meilleures pièces du jeu. Après. N'empêche, toi, t'aimes bien Luigi, mais on fait pas de pièces Luigi. Luigi, c'est un peu un perso. Non, mais Yoshi, j'ai une haine profonde. Pourquoi? Les Yoshi sont tellement. Ils vivent sur une île en paix. Et puis sans Luigi, sans Yoshi, Mario n'existerait pas. Et Luigi non plus d'ailleurs. Ouh, ça sent fail. Ouh, cette bonne odeur de fail. Le suicide était obligatoire face à la désillusion de Sacha. Le suicide était obligatoire face à la désillusion de Sacha. Ces deux jeux-là, oui, partie, et bah en partie 9. Mais manque, mais putain, mais c'est le truc, il est désacro. Putain, mais what the fuck, c'est le truc, il est désynchro. Crève. Oh, je comprends que je suis de chance. Ah, c'est... essaye de localiser à fond. Oui, c'est ça que je veux voir, en fait. Ah, c'est mal fait, la physique... Ah, putain. Non. Alors, au moins, on saura que la troisième est là. Au pire, tu la prends. Ouais, c'est bon, elle est là. Putain, j'espère que je pourrai... Oh, j'ai peut-être fait une connerie. Je vais pas me suicider.
J'aurais dû la récupérer du coup. Oh là là, ce fail. J'aurais tellement dû la récupérer. Est-ce que des fois je fais des trucs... Au moins ça va réinitialiser le niveau. Des fois je fais des trucs tellement... What? Quoi? Si, ça a ouvert le truc à mes entiers, vers la droite. Non. Quoi? Mais, je crois l'animation elle a bug en fait. Oui, elle a bug l'animation. Oui. À l'époque, quand vous achetiez par exemple un jeu sur la Wii, comme le Super Mario Bros. Wii, vous aviez un petit mode d'emploi en fait, en version papier. Voilà. Et donc vous avez déjà expliqué qu'il était tombé dans le jeu d'Orange, le Bros. Wii, voilà. Mais dans chaque jeu, ouais, vous avez un petit mode d'emploi avec l'histoire, les commandes et tout. Et à la fin, à chaque fois, vous aviez deux ou trois pages, et c'était des pages notes. Et dessus, vous pouviez écrire vos impressions sur le jeu, évidemment. Et donc, bien évidemment, personne dans le monde entier n'a écrit des choses dans ses notes, sauf Lucas, évidemment. Parce que, quand t'es collectionneur, bah, ça enlève de la valeur au truc, parce que t'as joué des trucs à l'intérieur. Et du coup, il avait fait ça pour Bros. Wii, donc on va lire ce qu'il a. Donc en fait, il avait fait un compte-rendu pour chaque monde. Ah, vas-y. Monde 1, 10 sur 10, excellent. Ensuite, monde 2, 9 sur 10, boss. Il avait écrit boss chiant, il a rayé chiant, il a mis con. Allez, ça va. Monde 3, 9 sur 10, long. Ah ouais? Monde 4, 10 sur 10, très bien pensé. Monde 5, 8 sur 10, bof, deux points d'exclamation. Monde 6, 10 sur 10, ça c'est un monde. Monde 7, 9 sur 10, combat très dur. Monde 8, 9,5 sur 10, très dur. Monde 9, très dur, mais pas de... Monde 9 n'a pas eu mal, il a eu très dur.